Bonjour et bienvenue dans Un miracle chaque jour. Le miracle du jour vous est apporté par Bruno Picard. Bonne écoute. Bonjour mon ami. Le miracle du jour s'intitule « Apprenez à faire une pause ». Par moments, je me retrouve en pleine spirale émotionnelle. Les distractions, les peurs, les doutes, mais aussi les joies et les victoires nous propulsent dans la vie où la vitesse et l'urgence sont les maîtres mots. Mais mon ami, on ne grandit pas dans l'urgence. Il est difficile d'être profondément inspiré en étant toujours pressé. Si vous voulez être inspiré et devenir inspirant, il vous faut apprendre l'art de faire une pause. Dernièrement, nous avons été confrontés au confinement. Mais avons-nous fait une vraie pause qui nous permette de contempler Dieu ? Avons-nous vraiment médité sur ce qu'il dit et sur ce qu'il fait ? Le psaume 46, 11 nous dit « Arrêtez, reconnaissez-moi pour Dieu ». Le psaume 118 nous dit « Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier aux grands ». C'est un ordre radical provenant directement de Dieu. Pour recevoir ce qu'il a préparé pour vous, il vous faut arrêter pour reconnaître sa seigneurie dans votre vie. Mon ami, est-ce que Dieu règne dans votre cœur ? Est-ce que Dieu règne dans vos relations ? Est-ce que Dieu règne sur vos finances ? Et est-ce que Dieu règne sur votre planning ? Aujourd'hui, vous pouvez vous arrêter pour reconnaître que Dieu est votre Dieu. Faire une pause, ce n'est pas perdre du temps. Faire une pause, c'est prendre le temps d'apprécier la seigneurie et le règne de Dieu dans votre vie. Oui, faites une pause pour vous assurer que vous dépendez de Dieu. Je suis très très fier de vous et fier d'être votre frère en Christ. Merci d'exister. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne Un miracle chaque jour et à cliquer sur la petite cloche pour être averti de ma prochaine vidéo. Merci d'exister.